Les électeurs ougandais appelés à surveiller leur vote lors de l'élection présidentielle du 14 janvier 2021. La National Unity Platform, partie du candidat au scrutin Robert Kyagulanyi Tibobi Wine, a dévoilé YouVote, une application permettant le contrôle du dépouillement des voix. L'outil a été lancé le 2 janvier 2021 lors du discours de fin d'année du principal leader de l'opposition ougandaise. Nous avons connu beaucoup de manipulations des résultats de vote depuis longtemps. Et maintenant, nous voulons prendre nos responsabilités. Tous nos scrutateurs sont appelés à télécharger l'application YouVote dans le smartphone. Un formulaire à remplir est disponible, bureau de vote par bureau de vote. Cet outil nous permettra également de remplir un autre geste citoyen, celui du décompte des votes. As audio. Pendant son allocution de Nouvel An, l'opposant Robert Kyagulanyi a indiqué qu'il était à la tête d'une nouvelle génération d'électeurs ougandais déterminés à prendre en main le destin politique du pays. Il a également plaidé pour que les membres de la commission électorale tournent le dos à la fraude. Nous tenons à dire au président de la commission électorale, le juge Biaba Kama, de respecter l'expression libre du vote des Ougandais. Nous ne voulons plus de fraude lors des élections du 14 janvier 2021. Le peuple ougandais ne le tolérera plus. Vous l'avez fait par le passé, mais cette fois, vous avez en face de vous une génération nouvelle. The people of Uganda, that you respect their voices. L'élection présidentielle du 14 janvier 2021 représente pour la jeunesse ougandaise l'espoir d'une révolution pacifique. Les partisans de la National Unity Platform dénoncent la corruption et l'inefficacité de la gouvernance dans le pays. Ils souhaitent la défaite du président Yoweri Museveni, candidat pour un sixième mandat et à la tête du pays depuis 1986.